affection. En fait, je dis bienvenue, c'est nous qui sommes chez vous. Ça fait plaisir, vous soyez là. Vous êtes né à Valleyfield à la fin des années 50. Oui, tout à fait, 50. Et dès votre enfance, vous déménagez en Afrique. Oui, c'est particulier, cette chose-là. Mes parents, mon père, ont fait partie, parce que c'est lui qui était l'enseignant en Afrique, mais de la première équipe de personnes, premier groupe de personnes envoyées en Afrique par l'ACDI, qui venait d'être formé, l'Association canadienne pour le développement international. En 62, l'ACDI est lancé, puis il décide d'envoyer des professeurs en Afrique. Mon père est enseignant. Il applique là-dessus, sur l'insistance de ma mère. Mon père croyait que ma mère ne voudrait jamais partir en Afrique en 62. Je ne sais pas si vous replacez, mais l'époque, là, c'est ancien, ça, déjà. Là, puis l'Afrique, c'est très, très loin en 1962 des Québécois ici. Là. Et donc, mais c'est ma mère qui insiste pour y aller. Elle a le goût de tenter cette aventure-là. Ils sont pris, ils s'en vont. Il y avait peut-être 5 ou 6 familles qui sont parties pour le Cameroun. J'ai appris cette année pourquoi on avait été au Cameroun. Alors, j'ai fait la préface du livre d'un monsieur qui a passé sa vie en coopération internationale puis qui a eu envie de revenir sur son expérience de vie. Et malheureusement, cet homme-là, son livre a été accepté. Il a reçu la lettre, on a reçu chez lui la lettre d'acceptation du livre et il était décédé. Alors donc, le livre est paru et on m'a demandé de faire la préface. Je l'ai faite et son épouse, ces gens-là ont passé toute leur vie en coopération internationale, me racontait que à l'ONU, les pays sont assis un à côté de l'autre. Alors, Cameroun, par ordre alphabétique, était assis à côté du Canada. Et quand les Camerounais ont appris qu'on créait l'ACDI, on dit « Vous devriez venir au Cameroun ». Et c'est comme ça qu'on est parti au Cameroun. Et donc, moi, j'avais 4 ou 5 ans quand on est parti. OK. Et comment était votre accueil là-bas? Ben, moi, j'étais enfant, donc je ne me souviens pas très bien. Hein, moi, mais mes souvenirs d'Afrique sont nombreux, mais pas de l'arrivée au Cameroun, là, à Douala, la première fois. Okay. Mais moi, je garde un excellent souvenir de l'Afrique. C'est quelque chose, évidemment, comme vous pouvez deviner, très, très marquant dans une vie. Moi, je suis revenu au Québec à plein temps, j'avais 13 ans. C'est ce moment-là que j'ai vu de la neige pour la première fois, j'ai découvert le Québec. Et moi, honnêtement, mon choc culturel, c'était de revenir au Québec. J'étais comme un Africain qui débarquait ici. Alors, les années d'enfance, pour tout le monde, sont marquantes. Puis quand elles se passent en Afrique, elles sont marquantes d'une manière un peu particulière. Moi, j'ai beaucoup aimé l'Afrique. J'aime encore beaucoup l'Afrique. Des fois, en blague, je me définis comme un Africain blanc. Tu sais. Et c'est quelque chose qui était bien marquant dans ma vie. Ouais. Voyager jeune comme ça en Afrique, est-ce que ça a participé un peu à votre construction de votre ouverture d'esprit puis un peu du personnage antiraciste que ça a certainement joué un rôle. T'sais, moi, j'ai passé mon enfance au milieu de Noirs en Afrique, au Cameroun, au Sénégal, avec la présence de quelques Blancs, mais qui la plupart d'entre eux étaient des Français, des Européens. J'ai développé très tôt un antiracisme assez forcené. C'est une chose qui me définit, je pense. Je suis un antiraciste forcené. Je ne supporte pas le racisme. Je pense que tout le monde devrait être antiraciste. On devrait passer cette barrière-là. Là. Ce qui ne signifie pas qu'on considère que tous les traits culturels sont équivalents. Ce qui ne signifie pas qu'on sombre dans un relativisme culturel absolu ou qu'il n'y aurait pas de raison d'être. Mais je suis foncièrement antiraciste. Et donc, c'est quelque chose, oui, qui m'a défini puis qui est né en Afrique quand je passais mon temps là, quand j'ai passé mon enfance là, oui. Donc, vous avez passé l'école primaire? J'ai passé l'école primaire jusqu'à ce qu'on donnerait ici pour le secondaire 2 ou 3, si vous voulez. Donc, et donc, c'est une autre chose qui m'a marqué beaucoup, si vous voulez, parce que j'ai fait mes études dans le système français tel que pratiqué en Afrique dans les années 60. Et donc ça, c'était la vieille formation offerte par le système public républicain de la France qui avait été importé en Afrique et qui était bien important pour moi aussi. Je considère que j'ai reçu une très bonne formation par l'école primaire française. Vous accordez beaucoup d'importance à l'enseignement, à la transmission du savoir. Est-ce que là-bas, je sais que l'éducation n'est pas pour tout le monde. Est-ce que ça vient un peu de là? Je vous raconte une anecdote. Quand je suis revenu au Québec, à 13 ans, j'ai fréquenté une polyvalente québécoise. Et j'étais ébloui par la richesse de l'école que je fréquentais, littéralement. Alors, il y avait, par exemple, des haut-parleurs dans chacune des classes par laquelle la direction de l'école ou n'importe qui pouvait s'adresser à tous les élèves. Il y avait des bibliothèques remplies de livres. Il y avait une richesse qui m'apparaissait extraordinaire. Vous comprenez? Et devant ça, ce que je voyais aussi, c'est des gens qui arrachaient les haut-parleurs au mur, des gens qui méprisaient l'école, des gens qui pratiquaient le vandalisme, des gens qui déchiraient les livres. Et moi, j'avais souvenir de mes bons amis africains que je voyais parfois le soir sous la seule lumière de rue qu'il y avait dans le village, en train de faire leurs études, tu comprends, et en train de lire. Je me souviens que l'entrée en sixième en Afrique,
ça veut dire l'entrée au secondaire, c'était un concours où il y avait des centaines de personnes qui souhaitaient y aller. Il y en avait 100 qui étaient pris. Il n'y a pas de place pour tout le monde. Donc, il y avait un respect pour la culture, pour le savoir, pour l'éducation en Afrique que je trouvais admirable. Et je déplorais à cette époque-là de ne pas retrouver la même chose ici. J'étais frappé par le contraste entre le grand, le profond respect qu'en Afrique, les Africains avaient pour l'éducation, qui était vu comme un moyen d'échapper à l'ignorance, de promotion sociale, économique, et ainsi de suite. Et certains aspects, c'était pas tout le monde évidemment ici, là, mais certains aspects de la fréquentation scolaire ici, puis du rapport à l'école qui me semblait pour le moins problématique. Oui. C'est ici qu'ils prennent ça pour acquis, peut-être. Quand on en est privé qu'on découvre la richesse d'un certain bien parfois. Ouais. J'ai lu quelques-uns de vos livres, entre autres « Le petit kit d'autodéfense intellectuelle ». En fait, moi, j'ai été chanceux de l'avoir, ce petit livre-là. Vous, dans votre adolescence, c'était quoi votre petit kit d'autodéfense intellectuelle? Aïe, c'est une bonne question, ça. Quel était mon petit... J'étais un gros lecteur quand j'étais enfant, dans l'enfance. J'étais un très, très gros lecteur. J'adorais lire. Le plus beau cadeau qu'on pouvait me faire, c'est de m'apporter un livre. Je le dévorais à peu près instantanément. J'étais aussi un lecteur de revues... pour enfants que je lisais avec passion, là. Pif Gadget, Pilote, ces affaires-là, j'aimais beaucoup ça. Je lisais ce genre de livre-là. Mais je n'avais pas de petits cours d'autodéfense intellectuelle à cette époque-là. Ça m'est venu plus tard. Je dirais à peu près à 14 ans, à peu près, que j'ai commencé. Moi, ma grande découverte à cette époque-là, j'ai souvent raconté ça, c'est un philosophe qui s'appelle Alain. Alors, il est peu connu aujourd'hui, malheureusement, ou pas assez connu aujourd'hui, surtout au Québec. Mais Alain, c'est le pseudonyme de Émile Chartier. Et Émile Chartier, c'est un philosophe que mon père aimait beaucoup. Puis on avait chez nous, c'était en Pléiade, là, on avait très peu de Pléiades chez nous, deux ou trois. Mais mon père avait l'histoire des sciences en Pléiade, puis il y avait les propos d'Alain en Pléiade. Et moi, je lisais ça à partir de 14 ans peut-être. Et j'étais vraiment très, très amoureux de ça. Très amoureux de la langue d'Alain, puis très amoureux de l'espèce de rationalisme qu'il y avait chez lui. Alors, ça a été mon ouverture ça, vers l'autodéfense intellectuelle. J'ai pris goût avec lui à essayer de clarifier des concepts. Qu'est-ce qu'on veut dire exactement par telle chose? Puis les propos d'Alain, c'était publié dans des quotidiens, dans des journaux. Et c'était habituellement des textes pas très longs. C'est comme une petite chronique de journal. Donc, je sais pas, moi, deux pages, peut-être maximum, une page et demie, deux pages. Et donc, ça se lisait assez bien. C'était fait pour le grand public. Et moi, j'ai beaucoup aimé ça. Alors, je répondrai à Alain. C'est Alain qui a été mon petit cours d'autodéfense intellectuelle. C'était les premières bases. Oui, c'est ça. Vous avez été enseignant pendant une grande partie de votre carrière. Je suis rentré à l'université très jeune. Je suis rentré au cégep à 15 ans, je pense, à l'université à 16, quelque chose comme ça. J'ai fait mes études. J'ai fait une première maîtrise, un premier doctorat. C'était pendant que je faisais mes études au doctorat que j'enseignais, puis après ça, j'ai fini mon deuxième doctorat. Après ça, je suis allé à l'Université du Québec à Montréal, enseigner en éducation. À quel moment vous avez découvert une passion pour l'enseignement? Ça remonte à très jeune, ça remonte à l'enfance. C'était l'exemple de mon père. Mon père était un enseignant. Dans ma famille, beaucoup de gens, des oncles, des tantes, étaient enseignants. Moi, très, très jeune, c'était la chose que je voulais faire, enseigner. Ça n'a jamais été une question. Je me suis posé, qu'est-ce que je veux faire dans la vie? Moi, je voulais enseigner. C'était clair, je voulais l'enseigner. J'avais énormément de respect pour cette profession-là. À l'UQAM, comment que vos étudiants percevaient votre passion un peu pour la transmission de savoir? Ça va avoir l'air d'une vantardise, mais honnêtement, c'est ce qui s'est passé. Moi, j'ai été très privilégié dans toutes les années où j'enseignais d'avoir des très bonnes relations, mais surtout une très bonne réception de la part des étudiants de mes cours. J'ai souvent dit, je vais le répéter, moi j'enseignais en éducation. Donc c'est une préparation à l'exercice d'une profession qui est celle d'enseignant. Et cette profession-là, elle est extrêmement exigeante, elle est extrêmement difficile à exercer aussi, peut-être plus encore maintenant que jamais au Québec. Et cette profession-là demande une solide formation professionnelle. Il y a toutes sortes de trucs de métier, de savoir empirique, de savoir technique qu'on doit maîtriser pour être un bon enseignant. Gestion de classe, administration des examens, ou ainsi de suite. C'est un travail immense, ça. Les étudiants reçoivent cette formation-là. Souvent, ils en sont déçus. Quand ils arrivaient dans ma classe à moi, c'était pour recevoir des cours très théoriques de philosophie de l'éducation, en somme. On appelait ça « fondement de l'éducation ». Et on aurait pu penser, on aurait pu craindre, j'aurais pu craindre, mais aussi, tu sais, qu'ils auraient pu dire parfois, oh, c'est intéressant ce que tu nous racontes, mais on a plus besoin de savoir comment gérer une classe, ou plus besoin de connaître le système scolaire du Québec, ou plus de... Et ça n'a jamais été le cas, à vrai dire. J'ai toujours eu un accueil, je dirais même enthousiaste de la part des étudiants. Ce qui me réjouit, non seulement pour moi personnellement, mais pour la profession elle-même. C'est-à-dire, les jeunes voyaient l'intérêt
de réfléchir à qu'est-ce que c'est que l'éducation, quelle est la différence entre éducation et endoctrinement, qu'est-ce qu'on veut accomplir dans les, lorsqu'on éduque des gens, et ainsi de suite. Ce genre de questions-là, ils se les posaient, ils étaient soucieux de réfléchir à ça, et ça m'a fait grand plaisir. Je les remercie encore, mes étudiants, j'ai passé avec eux, grâce à eux, 25 très belles années. Et de l'autre côté, vous avez des collègues enseignants, comment ça se passait avec vous? Disons, pour commencer, c'est connu maintenant, je l'ai souvent dit, mes rapports avec mes collègues en éducation, la très grande majorité d'entre eux étaient extrêmement conflictuels. Donc moi, je rentrais pas très bien dans le moule. Si j'étais honnête, je dirais que j'ai vécu 20 ans de harcèlement professionnel à l'université, c'est à peu près la réalité. Donc moi, j'étais très, très mal vu de mes collègues et ils m'ont emmerdé pendant 20 ans, puis à peu près rien qu'ils m'ont pas fait. Avec les collègues des autres départements, ça allait plutôt bien. Il y a certains profs en éducation avec lesquels ça allait, là, puis je les salue, je les remercie, mais je pense que la relative jeunesse du milieu de l'éducation est un facteur explicatif de cette chose-là. Je pense qu'une certaine ignorance entretenue dans ce milieu-là est aussi responsable de cet état de fait-là. Je pense aussi que depuis une vingtaine d'années au moins, la forte insistance pour que les professeurs fassent de la recherche subventionnée a été un facteur explicatif aussi de ce phénomène-là. Alors, il y a la commercialisation de l'université qui est en cause, à mon avis, dans une partie, ou qui explique une partie de ce phénomène. En éducation, j'étais le mouton noir, et puis assez fier de l'être aussi, parce que je considère que certaines des choses qui se faisaient là étaient indéfendables. Comme quoi? Des dépenses de fonds publics qui sont parfois honteuses et pour des choses qui n'ont vraiment pas de bon sens. Des coteries de gens adhérant à certaines doctrines aberrantes et s'auto-congratulant les uns les autres, se donnant des subventions de recherche, faisant du travail intellectuel qui n'a pas grand mérite. Il m'est arrivé de dire que ce qui se passait, certaines des choses qui se passaient dans les facultés d'éducation relevaient du crime contre l'esprit et du détournement de fonds publics. Et je maintiens mon jugement. Il y a certains professeurs qui s'assoyaient un peu sur leur savoir. Oui, mais c'est-à-dire, prenez par exemple, pour prendre un exemple concret, les fondements de la réforme de l'éducation qui est imposée au Québec depuis une quinzaine d'années ou un peu plus étaient extrêmement fragiles. Mais c'est impossible de le soutenir puis de le dire, ou très difficile de le dire, parce que les gens qui adhéraient à ça, je pense, étaient largement ignorants de la littérature crédible sur la question et de la valeur des choses qu'ils proposaient. Mais comme ils appartenaient à une clique de gens au pouvoir, ils pouvaient se permettre de les imposer malgré tout. Mmh. Et ce sont les enfants du Québec qui en ont pâti. À mon avis, particulièrement les enfants des milieux défavorisés. Vous avez travaillé assez longtemps dans ce domaine-là, donc vous avez vu un peu les transformations des universités qui servent maintenant davantage les entreprises. C'est un aspect de la question. Je pense qu'il faut nuancer et faire attention à la façon dont on va présenter ça, mais c'est clair qu'une université publique devrait, c'est l'idée que j'ai défendue dans Je ne suis pas une PME, se définir par le fait qu'elle entretient un grand nombre de rapports riches et variés avec un grand nombre de composants de la société. C'est la première des choses qui la définirait, c'est cette pluralité de liens-là. Et ensuite, elle soit vouée essentiellement aux normes académiques ou intellectuelles par lesquelles elle se définit. Je pense qu'à partir du moment où l'université se commercialise de plus en plus, il y a des dangers pour ces deux aspects-là. Le premier, c'est que les universités vont entretenir de manière privilégiée des liens avec des gens eux-mêmes privilégiés dans la société, donc le milieu des affaires, etc., et les entreprises, le milieu financier, puis que d'autre part, on va parfois perdre de vue les normes internes par lesquelles l'université devrait se régir. La liberté académique, la liberté d'expression, la liberté de faire de la recherche sur tous les sujets, qu'ils soient ou non rentables. Le fait que les produits de la recherche universitaire appartiennent à la collectivité qui les a financés et non pas à des détenteurs de brevets. Le fait que les objets de recherche soient définis non pas en extériorité, mais en raison des intérêts pour lesquels les professeurs font cette recherche-là, et ainsi de suite. Je pense qu'en ce moment, mais je ne suis pas le seul à le dire, je pense qu'en ce moment, on vit une période de transition, une espèce de mutation. Ce n'est pas irréversible, sans aucun doute, mais c'est clair qu'il y a une mutation en ce moment de l'université, un peu partout en Occident. La société change, les universités vont changer aussi. Oui. Les besoins dans la société sont différents. Est-ce que ça affecte la formation qu'on va donner aux étudiants? Je pense que ça nous ramène à cette idée que la formation donnée à l'université devrait l'être
en fonction des normes internes de l'université, mm-hmm. en fonction de la vie de l'esprit. Mm-hmm. Ça, ça n'exclut pas que l'université soit aussi un lieu où se forment des professionnels, mais ils se forment du point de vue de l'université, vous comprenez? Mm-hmm. Je ferai une distinction ici entre une école strictement professionnelle puis une université. Une école strictement professionnelle va former, disons, des comptables ou des, mm-hmm. des professionnels dans tous les domaines, mais uniquement pour les adapter à une réalité économique préexistante. Mm-hmm. Si on est dans une université, on peut aussi accomplir ce travail de formation professionnelle, mais on le fait dans une perspective qui est celle de l'université. Alors, par exemple, on va avoir le souci de donner à des comptables une perspective critique sur l'exercice de ce métier de comptable-là. On va avoir le souci de transmettre des savoirs théoriques qui permettent d'établir cette distance critique, de penser de manière distante, encore une fois, mm-hmm. à ce qu'on fait quand on est comptable et ainsi de suite. L'université qui forme des professionnels doit le faire dans une perspective qui soit celle de l'université. Si on voit ça disparaître, on ramène l'université à une fonction de formation ou d'école professionnelle au service d'une corporation professionnelle. Et là, je pense qu'on l'a vidé de quelque chose qui est absolument irremplaçable, le rôle de l'université. Pendant les examens du ministère 2017, la grosse polémique est sortie que les étudiants passaient malgré des dizaines de fautes d'orthographe, plusieurs problèmes comme ça. Est-ce que vous avez déjà fait face à ce danger-là de niveler par le bas? Si l'université se définit ou tend à se définir elle-même comme une entreprise, une chose qui risque de se produire, c'est qu'elle va vouloir avoir de plus en plus de clients comme une entreprise. Donc, elle va accepter de plus en plus de gens parce que elles sont, même les universités publiques, sont payées par tête de pipe d'inscription, par étudiants à équivalent de temps complet. Et là, il y a la tentation, je pense, qui est grave ou est possiblement grave, de vouloir prendre de plus en plus d'étudiants, même si on n'a pas réellement besoin de ces étudiants-là, même si rien ne le justifie, entre autres, par exemple, le besoin qu'a le milieu de l'éducation de ces gens-là. Je pense qu'on assiste à ça en éducation. De plus en plus, on admet des gens. On va jusqu'à former des programmes dont l'existence me semble douteuse parfois, et on accepte de plus en plus de gens dans toutes sortes de programmes sans se soucier de savoir si on va donner une formation excellente à ces gens-là et ils auront un emploi dans le milieu de l'éducation. La formation qu'on leur aura donnée correspond à un véritable besoin en éducation. C'est quelque chose qui me préoccupe, effectivement. Et je trouve qu'on peut le voir en partie au moins comme un aspect de la commercialisation de l'université. Est-ce que vous croyez que c'est justifié pour les parents d'envoyer leurs enfants à l'école privée qui, en fond, choisissent de s'affranchir d'un service similaire au secteur public? C'est une question éthiquement extrêmement grave, celle-là. Hein? C'est une question morale, de moralité extrêmement grave. D'un côté, on a des parents qui souhaitent donner la meilleure éducation possible à leur enfant et qui, devant une école publique qui est déficiente, dans certains... Elle n'est pas toujours déficiente, l'école... Moi, mes enfants sont allés à l'école publique et l'école publique, dans le coin, était acceptable. Et elle allait bien. Et ça aurait été pour moi extrêmement difficile de faire le choix si l'école publique avait été catastrophique de les envoyer à l'école privée, parce qu'on sait aussi les effets du fait d'envoyer des gens à l'école privée. C'est de priver l'école publique de certaines ressources, c'est de creuser les inégalités, de les augmenter, c'est d'amener l'école publique à vouloir multiplier des programmes particuliers pour élèves particulièrement doués, qui vont encore une fois priver le secteur, le commun, on peut l'appeler comme ça, de l'école publique, de certaines des ressources qui devraient lui être allouées. Donc, ça appauvrit l'école publique. Donc, c'est un véritable dilemme. C'est un dilemme politique aussi, ultimement éthique, mais aussi qui a des répercussions politiques. Jusqu'où est-ce qu'on doit financer une école privée qui bénéficie de tels avantages? Moi, je suis un grand défenseur de l'école publique. Je souhaite qu'elle soit excellente. Je pense qu'elle pourrait être excellente. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, j'aurais à grand regret envoyé mes enfants à l'école privée. Et je reconnais que je l'aurais fait, sans doute, si l'école privée avait été catastrophique. Elle l'était pas. L'école publique avait été catastrophique. De quoi l'école publique manque pour être excellente? On peut parler de ressources, certainement, mais on devrait aussi parler, je pense, de formation des maîtres. On devrait penser à une formation des maîtres axée sur l'excellence. Et quand je dis excellence, c'est pas simplement un mot. On devrait former les maîtres en fonction des données probantes. C'est important, ce mot-là. Par données probantes, on entend les preuves qu'on peut amener lorsqu'on préconise telle ou telle pratique. Alors, en éducation, c'est une pratique très, très complexe, l'éducation. Au moins aussi complexe que la médecine. Et je pense qu'on devrait, quand on pense à l'éducation, avoir le même sérieux que celui qu'on a quand on pense à la médecine. Alors, pour
exercer ce métier qui est aussi complexe, on devrait à chaque fois fonder les décisions qu'on prend, à chaque fois où c'est possible, c'est pas toujours possible, mais à chaque fois où c'est possible, sur les données probantes, sur ce que la recherche nous enseigne de plus crédible. Mm-hmm. Et par exemple, je maintiens mon jugement, moi, la réforme de l'éducation qu'on a eue au Québec, mm-hmm. il y a une vingtaine d'années ou presque, mm-hmm. là, cette réforme-là n'était pas fondée sur des données probantes, c'est-à-dire qu'elle a eu des effets qu'on pouvait d'avance prédire mm-hmm. parce qu'on n'avait pas les données probantes. Alors, une école qui miserait sur l'excellence, la première chose qu'elle ferait, à mon avis, c'est utiliser au maximum, et partout où c'est possible, les meilleures données probantes, les meilleures théories, les meilleures pratiques fondées sur la science, la meilleure dont on dispose. Ce serait la première chose qu'on ferait. Ensuite, on aurait aussi une vision claire de ce qu'on cherche à accomplir par l'éducation. Mm-hmm. Je pense que parfois, il faudrait à la fois être ambitieux et modeste, si je peux le dire comme ça. Ambitieux dans le sens que c'est énorme ce que l'école peut accomplir pour une société. Modeste aussi, ce que l'école peut faire, c'est transmettre des savoirs. La mission première de l'école, c'est de transmettre des savoirs. Dans une école, il s'accomplit un grand nombre de choses. Les enfants sont socialisés, sont moralisés, mm-hmm. pratiquent les sports, font toutes sortes de choses. Mais dans une école, l'école est d'abord et avant tout là pour transmettre des savoirs, pour les transmettre à tout le monde et pour les transmettre à tout le monde indépendamment de la situation dans laquelle se trouvent les enfants quand ils arrivent à l'école. Mm-hmm. Moi, c'est une chose sur laquelle je veux insister un peu parce que je trouve ça très important. Lorsque les enfants arrivent à l'école, ils sont déjà très différenciés, et certains sont extrêmement désavantagés par rapport à d'autres. Mm-hmm. Je ne pourrais pas donner les chiffres, mais je vais donner une idée quand même de ce que je veux dire. Aux États-Unis, par exemple, on a mesuré le vocabulaire des enfants selon les classes sociales auxquelles ils appartiennent. Okay. Alors, si vous appartenez à des classes sociales très favorisées, votre vocabulaire est extrêmement riche. Si vous appartenez à des classes très défavorisées, votre vocabulaire est excessivement pauvre. Lorsque vous vous présentez en première année, vous arrivez déjà différencié mm-hmm. de ce point de vue-là, et très, très inégalement favorisé à cause de choses comme celle-là. Mm-hmm. Alors, l'école devrait tout mettre en œuvre pour compenser ces inégalités-là. Et la meilleure manière de le faire, encore une fois, c'est de se fonder le plus possible, partout où c'est pertinent, sur des données probantes. J'ai eu la chance aussi de lire « Liliane est au lycée ». Ah oui. j'ai bien aimé. Peut-être commencer par parler du titre du livre. Comment c'est un jeu de mots. Ouais, hein? c'est... Je vais vous faire un aveu. Moi, ouais. je suis pas bon pour trouver des titres. OK? On pourrait passer tous mes livres un par un, là, et c'est très rare que c'est moi qui ai trouvé le titre. Hein. Le petit cours d'autodéfense intellectuelle, c'est une remarque de Chomsky. Okay. Liliane est au lycée, c'est l'éditrice qui l'a trouvé. C'est un jeu de mots sur l'Iliade et l'Odyssée. Tu sais, c'est la petite fille qui rentre à la maison, puis elle dit « Aujourd'hui, on nous a parlé de Liliane est au lycée », voulant dire l'Iliade et l'Odyssée. Donc oui, c'est un livre, donc le titre, c'est un jeu de mots sur l'Iliade et l'Odyssée, mm-hmm. qui est un monument de la culture générale mm-hmm. en Occident, mm-hmm. l'Iliade, c'est deux monuments en fait. Mm-hmm. Et le livre parle donc évidemment de culture générale. L'éloge de la culture générale. Ouais. Pourquoi c'est si important pour vous, la culture générale? Il y a plusieurs raisons. La première, on y reviendra, c'est qu'il faudrait définir ce qu'on entend par culture ouais. générale, puis le livre s'efforce de faire ça. La deuxième, je dirais qu'il y a deux sortes de raisons, deux types de raisons. Première raison, c'est des raisons intrinsèques. Et en elle-même, la culture générale est intéressante. Pour moi, mais je pense que toutes les personnes qui ont étudié puis qui se sont cultivées, même un peu, savent ça. C'est que notre vie est plus riche à mesure qu'on dispose de plus en plus de culture. On ne voit pas le monde de la même manière si on a de la culture. Et plus on a de la culture, plus le monde dans lequel on vit est riche. On ne voit pas les bâtiments de la même manière à Montréal si on a des notions d'histoire de Montréal. Mmh. On ne voit pas les bâtiments de la même manière si on a des notions d'architecture. Mmh. On ne pense pas à une rue dans laquelle on marche qui porte le nom de quelqu'un mmh. si on connaît cette personne-là. Et ainsi de suite, ad infinitum. Mmh. La vie est infiniment plus riche si on connaît des poètes. La vie est infiniment plus riche si, ayant lu des poètes ou des écrivains, on est capable d'identifier une émotion qu'on ressent. Mmh. On est capable de relier une idée à une autre, et ainsi de suite. Et cet éloge de la culture générale, je pourrais continuer longtemps, mais je pense que c'est une chose qui, intrinsèquement, a une valeur extraordinaire. Mmh. Et ceci devrait même suffire pour définir l'importance de la culture générale. Notre vie est plus belle, plus riche, à partir du moment où on dispose de savoir. Il me semble que demander autre chose, c'est être un peu philistin. On devrait se contenter de ça. Mais il y a autre chose aussi. Et cette autre chose, pour moi, il est politique. Alors, je pense que pour agir en tant que citoyen dans le monde, pour exister en tant que citoyen, pour rencontrer autrui et échanger avec eux, avec les autres personnes, il est important d'avoir ce bagage de référents communs par lesquels on peut interpréter le monde et le comprendre. Si vous me demandez de dire ça de manière très courte ou très succincte, je souhaite que par la culture générale qu'on a, on puisse lire les journaux.
On peut s'écouter le téléjournal. On peut se prendre position sur des enjeux qui nous touchent. On peut se prendre position sur l'actualité. Ceci est indispensable. Et alors, à toutes ces raisons intrinsèques que j'ai données tout à l'heure pour la culture générale, il y a ces raisons que j'appellerais, en guillemets, instrumentales. À quoi ça sert? Et ça sert notamment à ça. Ça joue un rôle politique, social, extrêmement important, qui permet aux gens de devenir des citoyens, de participer à ce que j'aime appeler la conversation démocratique. On vit une omniprésence de la propagande dans la société. Est-ce que la culture générale vient nous aider à démystifier qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est vrai, avec tout ce qu'on voit sur les médias sociaux, par exemple? Je pense que ça joue un rôle, encore une fois, extrêmement important. Les idéaux sur lesquels moi je vis encore, c'est les idéaux du siècle des Lumières. Les idéaux qui reposent, par exemple, sur l'idée que dans le monde, il y a des choses vraies, puis il y a des choses fausses. Puis il est important de savoir distinguer le vrai du faux, mesurer jusqu'à quel point quelque chose est vrai, puis jusqu'à quel point quelque chose est faux. Et ça donne que dans nos sociétés, pas dans l'Allemagne nazie des années 30, dans nos sociétés, il y a un élément important de propagande qui est à l'œuvre. On essaie de faire en sorte que les gens adhèrent à telle ou telle opinion. Alors, il y a un ensemble d'institutions qui cherchent à nous convaincre d'un grand nombre de choses. C'est vrai des médias qui appartiennent à des intérêts privés et qui défendent un certain point de vue sur le monde. C'est vrai aussi de l'énorme firme des relations publiques qui est présente dans notre société. C'est vrai des médias sociaux dans lesquels s'infilent de plus en plus des intérêts privés. Donc, tout ça est en quelque sorte en concurrence pour s'emparer de votre cerveau. Tous ces éléments-là sont en concurrence pour pénétrer dans votre cerveau puis vous amener à croire telle ou telle chose. Je pense que c'est important d'en être conscient, c'est important de le savoir, et je pense qu'effectivement, la culture générale permet d'exercer face à tout ça une certaine autodéfense intellectuelle. Je rappellerai aussi, je l'ai souvent dit, mais ça ne se fait pas tout seul, ça non plus. Ça se fait encore en discutant avec d'autres, en collaboration avec d'autres, en échangeant, en lisant d'autres choses. Là aussi, la culture générale est utile, en lisant des livres, en passant pas tout son temps sur les réseaux sociaux, en s'en remettant pas uniquement à tel ou tel quotidien pour comprendre le monde, et ainsi de suite. L'école, dans les milieux défavorisés, pour moi, si elle est si importante que ça, c'est que c'est un outil qui peut, je ne dis pas qu'il le fait ou qu'il peut facilement le faire, mais c'est un outil qui peut pallier à ces différences-là. Donc, une école telle que je la conçois, une école démocratique, une école ouverte, une école offerte à tout le monde, c'est une école qui est en lutte contre ces inégalités-là. C'est une école qui est consciente que dans tel ou tel milieu, on n'a pas les richesses, on n'a pas les avantages dont on dispose dans tel milieu beaucoup plus favorisé et qui lutte contre ça. Je pense que c'est un premier élément. Un autre élément aussi, c'est des gens, des intellectuels, des intervenants dans les milieux font des choses. En France, par exemple, j'ai une admiration pour l'université populaire qu'a créé quelqu'un comme Michel Onfray, qui s'efforce d'aller vers les gens, de proposer. Alors, toutes ces choses-là, il y en a qui sont faites, il y en a qui restent à inventer, mais je pense qu'on devrait appuyer les institutions qui permettent de pallier à ces différences-là. L'école en est une. L'école est probablement même la principale et la première. D'où, par exemple, ma désolation, encore une fois, je reviens là-dessus, sur la réforme qu'on a mise en place, dont il était à peu près certain qu'elle empirait la situation des gens qui ne sont pas par avance favorisés, puis qu'elle favoriserait les gens qui sont par avance favorisés. C'est un enjeu politique, ça dépend de nous. Ça dépend où on décide de mettre des ressources, pourquoi on décide de les mettre là, jusqu'à quel point on est sérieux dans notre désir d'égalité des chances que l'école devrait poursuivre. Vous avez parlé tantôt de plusieurs domaines de connaissances générales. Oui. On dirait qu'il y a une espèce de rupture entre les sciences sociales, les sciences naturelles. Vous, qu'est-ce qui me fascine, c'est que pour vous, il n'y a pas de rupture. Ça fait toute partie de la culture générale. Je suis content que vous ayez vu ça, parce que c'est une idée à laquelle je suis très, très attaché. Longtemps dans notre tradition intellectuelle, dans notre culture, ce qu'on a appelé culture générale ou même culture tout court, c'était vraiment les humanités, les lettres, la philosophie et les humanités. Être cultivé, c'était d'avoir accédé à ça. Mais je pense que ce modèle-là, c'est pas qu'il est mauvais, c'est qu'il est incomplet aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne peut pas penser culture générale uniquement en s'en remettant aux lettres et aux humanités. On doit absolument compléter ce modèle-là par essentiellement les sciences et les mathématiques, les sciences naturelles, comme vous avez dit, les mathématiques. Je pense qu'on ne peut pas se dire cultiver aujourd'hui, après Newton, presque 300 ans après Newton, on ne peut pas se dire cultiver aujourd'hui si on n'a pas aussi goûté aux différentes sciences naturelles, aux concepts qui sont mis en œuvre là-dedans, aux méthodes par lesquelles on vérifie ou on affine notre savoir dans les sciences naturelles, et si on n'a pas goûté, ne serait-ce qu'un peu, aux mathématiques et aux types de raisonnement qu'on y trouve. Alors, j'ai défendu dans Liliane était au lycée l'idée que la culture générale aujourd'hui devrait
être suffisamment large pour englober et les humanités classiques, philosophie, sciences sociales, comme vous avez dit, histoire, art et littérature, mais aussi les sciences formelles, logique et mathématiques, et les sciences naturelles. Et je pense qu'on devrait avoir l'ambition aujourd'hui à l'école de fournir et de proposer aux gens, à tout le monde, un curriculum riche sur l'ensemble de ces disciplines-là, adapté aux capacités de chacun, parce que c'est au goût de chacun. C'est pas tout le monde qui va faire des mathématiques permettant d'accéder à l'université dans des disciplines qui en demandent. Mais je pense que tout le monde dans l'école, disons, obligatoire jusqu'à 16 ans, je pense que tout le monde devrait goûter un peu de ces savoirs-là et au moins savoir un peu comment ça fonctionne. Je pense que, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, ça a une valeur intrinsèque. C'est important, si on est cultivé, de savoir ce que c'est que la méthode scientifique, comment ça fonctionne, la méthode scientifique, comment ça fonctionne un raisonnement mathématique, qu'est-ce que c'est un théorème, qu'est-ce que c'est une axiomatique, ainsi de suite. Je pense que ce type de choses-là est essentiel en soi, mais je pense aussi que ça a une valeur instrumentale. Et j'insiste là-dessus. Par exemple, pour ne pas se faire tromper quand on lit les journaux par des graphiques qui ont été tronqués, il faut avoir fait un petit peu de mathématiques. Je pense, pour savoir ce que c'est qu'une moyenne, une médiane, le mode, etc., il faut avoir fait un tout petit peu de mathématiques élémentaires au secondaire. Je pense aussi que pour ne pas se laisser tromper par un grand nombre de discours qui circulent en ce moment, il faut avoir compris un certain nombre de concepts mathématiques. Je vais donner un exemple, si vous permettez. Oui. On voit en ce moment circuler des gens qui pensent, qui adhèrent à des théories de la conspiration profondément anti-scientifiques. Et c'est parfois très grave. C'est un rôle politique. Exactement. Le changement climatique, et vous avez tout à fait raison, c'est le premier exemple qui vient à l'esprit. Il y a des gens qui pensent que les changements climatiques, ça n'existe pas. Il n'y a pas de réchauffement climatique anthropique, etc. Première chose. L'autre, c'est les vaccins. Et ça aussi, ça a un rôle dramatique dans la société, parce que si des gens cessent de se vacciner, ça favorise la propagation de certaines maladies qu'on croyait éradiquées ou à peu près grâce au vaccin. L'autre affaire, par exemple, c'est le créationnisme. Alors, sur chacun de ces plans-là, un minimum de connaissances scientifiques, non seulement c'est agréable en soi, mais en plus, ça permet de ne pas se laisser avoir par ce type de discours complotiste ou conspirationniste et de jouer efficacement son rôle de citoyen. Alors moi, je souhaiterais que tout le monde ait acquis, je vais donner un exemple, suffisamment de familiarité, ça n'a pas besoin d'être énorme, mais suffisamment de familiarité avec les sciences et leur fonctionnement, les sciences naturelles, pour pouvoir dire, par exemple, quand quelqu'un vient me dire que l'évolution, c'est juste une théorie, par théorie voulant dire par là juste une hypothèse pas prouvée ou une idée comme ça lancée en l'air, qu'après avoir fait un petit peu de science au secondaire, au cégep, on sache ce que c'est qu'une théorie scientifique. On comprenne qu'une théorie scientifique, c'est pas juste une idée lancée en l'air, c'est pas juste une hypothèse, juste une théorie. Non, non. Une théorie scientifique, c'est une construction conceptuelle extrêmement élaborée qui repose sur des faits et sur des lois et qui les généralise. On peut pas me dire que Darwin, c'est juste une théorie. Vous comprenez? Et donc, ça, ça m'apparaît important, encore une fois, intrinsèquement, en soi. C'est beau, c'est riche, intéressant. Le monde est plus beau, le monde est plus intéressant quand on sait tout ça. Mais ça a une grande valeur aussi instrumentale et une grande valeur politique. Voilà. Dans le fond, la randonnée est plus belle quand on connaît les oiseaux, les plantes et tout ce qui... C'est un bel exemple, je vais vous le piquer celui-là, il est excellent. Ah. on a beaucoup plus de plaisir à marcher dans la forêt si on connaît le nom des plantes ou des oiseaux. Et puis c'est beaucoup plus agréable aussi si on connaît des poètes qui ont marché dans la forêt et qui peuvent nous raconter de si belles choses. C'est beaucoup plus beau marcher sur le mont Harford en se récitant du Desrochers, en disant « Je suis un fils déchu de race surhumaine ». Le fait d'avoir lu autant de livres, d'être un littéraire, puis d'être investi émotionnellement dans des histoires qui sont pas les nôtres, qui sont des personnages bien vivants dans leur univers, est-ce que ça vous a permis de mieux comprendre les émotions de l'autre, d'avoir moins de barrières face à l'autre? Là-dessus, je dois vous dire, en toute sincérité, que je crois que ce qui est irremplaçable pour ça, c'est la littérature. Alors moi, en ce moment, prenez un exemple concret en éducation. En ce moment, au Québec, on discute beaucoup de la place de la formation générale au cégep. On se demande, en particulier, à quoi peuvent bien servir les cours de littérature qu'on impose à tous les étudiants et étudiants, y compris ceux qui pratiqueront un métier dans 3 ans. Pourquoi est-ce que ces gens-là feraient ça? Est-ce qu'il ne serait pas pertinent de permettre aux gens d'avoir un diplôme, une attestation d'études collégiales, sans qu'ils aient besoin d'avoir de la philo ou de la littérature? Pour moi, la littérature, qui est encore une fois intrinsèquement intéressante, c'est l'entrée magique vers ce que vous venez de définir. C'est-à-dire le fait de savoir comment autrui, comment pense autrui, ce que cela fait de ressentir telle émotion, ce que cela fait
d'avoir telle ou telle idée, ce que cela fait de vivre telle ou telle chose. Rien autant que la littérature, la grande littérature en particulier, peut nous amener à ça, peut nous offrir ça. J'ai connu, je vais vous faire une confidence, j'ai bien connu et beaucoup aimé Bernard Maris, qui vous dit peut-être rien en ce moment, mais Bernard Maris était un économiste français de renom, très grand économiste français, mais qui était aussi membre de Charlie Hebdo, de l'équipe de Charlie Hebdo. Et il fait partie des personnes qui ont été assassinées le fameux jour de janvier 2015, par les 11 personnes plus une à l'extérieur qui sont mortes ce jour-là. Et une fois, il m'avait dit cette chose-là, je trouve que c'est... Je ne suis pas capable de battre la qualité de sa formulation, donc je vais l'utiliser. Maris, qui est un économiste, donc, m'avait dit, si je veux comprendre le fonctionnement de la monnaie, ce que c'est que l'argent dans une société, je peux aller voir un économiste, il va m'expliquer la fluctuation des prix, l'argent, la monnaie. Si je veux savoir ce que c'est que l'avarice, je vais lire Balzac. Et je pense qu'il a raison. Si on veut connaître ce que c'est que l'avarice, ce que c'est que ce sentiment par lequel l'argent finit de manière obsessionnelle à occuper tout un esprit, de telle manière que plus rien ne puisse être pensable en dehors de cette passion pour l'argent et ce désir d'en acquérir toujours plus, un économiste ne vous fera jamais comprendre ça, comme la lecture de Balzac peut vous faire comprendre ça, ou comme la lecture de « Un homme et son péché pour rester chez nous » peut vous faire comprendre ça. Et donc, la lecture, pour moi, est irremplaçable. La littérature, pour moi, est irremplaçable de ce point de vue-là. Et vous m'avez pas mal lu, donc vous savez ça. Pour moi, la poésie est la plus grande forme de littérature qui soit. Et c'est celle qui vous donne le plus, de manière la plus forte, la plus intense, la plus vive et la plus immédiate accès à tout ça. Vous vous dites anarcho-syndicaliste. Oui. En 2007, au Québec, c'est quoi un anarcho-syndicaliste? Aïe, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'anarcho-syndicalistes au Québec. Je pense que, comme ça a toujours été le cas, le mouvement anarchiste est relativement éclaté au Québec comme ailleurs, ce qui fait qu'on y retrouve toutes sortes de tendances et toutes sortes de groupes. Il y en a avec lesquels je m'identifie un peu plus, d'autres avec lesquels je ne m'identifie pas du tout. Je me sens même très loin. C'est l'anarchisme? Oui, c'est ça. C'est l'histoire de l'anarchisme. Hein. L'anarchisme, historiquement, a toujours été divisé en un certain nombre d'écoles ou de tendances. Moi, la tendance avec laquelle je m'identifie, vous l'avez dit, c'est l'anarcho-syndicalisme. Hein. C'est-à-dire que c'est la tendance anarchiste qui est née à partir du moment où les gens se sont dit « Comment peut-on sérieusement intervenir sur des questions sociales et politiques avec une chance de gagner. » Et à ce moment-là, les anarchistes dans différents pays, mais notamment en France, en Espagne et ailleurs, ont choisi d'investir le mouvement syndical. Et ils ont choisi, par pénétration du mouvement syndical, de transformer le syndicalisme de telle manière que, en deux mots, de telle manière que le syndicalisme vise simultanément deux buts. Le premier, c'était le but que visent constamment les syndicats, c'est-à-dire, en un mot, l'amélioration concrète, immédiate des conditions de vie et des conditions de travail de leurs membres. Ça, c'est le premier objectif. Mais les anarcho-syndicalistes disaient, poursuivre ça et ne poursuivre que ça, c'est d'une certaine manière suicidaire. En tout cas, ça ne mène pas très, très loin. Pourquoi? Parce que en menant ce combat-là, on demande aux patrons et au pouvoir de nous accorder un certain nombre de choses. Et ce faisant, on leur reconnaît le privilège de nous l'accorder, et donc on reconnaît leur pouvoir. Alors, ils choisissaient, donc, ces gens-là, de mener deux combats parallèlement. Le premier, c'est celui que je viens de décrire. On va se battre pour la journée de 8 heures. C'est un combat très important à l'époque. On va se battre pour obtenir des vacances. On va se battre pour ci, pour ça. Mais si on ne fait que ça, encore une fois, on va s'enliser dans cette situation-là, puis on ne changera pas radicalement les choses. Puisque le but, c'est de changer radicalement les choses, puis d'établir en deux mots l'autogestion, la gestion participative, l'autogestion, puis donc d'abolir le salariat, on ne peut pas constamment demander d'améliorer le salariat, parce que là, on ne l'abolit pas. Alors, à côté de ça, on va créer un ensemble d'institutions qui vont travailler au deuxième objectif, c'est-à-dire à l'abolition du salariat, puis à la préparation de l'autogestion, puis de la société libertaire. Cette deuxième fonction-là, elle était accomplie en gros par l'éducation, par la transmission de savoir, par le militantisme, et par ce qu'on appelait des bourses du travail. Alors, si vous allez en Europe, vous allez voir un peu partout des bâtiments assez impressionnants qui s'appellent bourses du travail, dans lesquels les ouvriers étaient réunis. Et là, les ouvriers étaient même réunis de deux manières distinctes, typiquement. Ils étaient réunis selon leur profession à l'échelle
nationale. Alors, par exemple, il peut y avoir le syndicat des plombiers français, ou que sais-je encore. Mais à côté de ça, ils étaient tous les membres de tous les syndicats réunis sur un même territoire, dans la même Bourse du travail, puisque c'était le nom que portait cette chose-là. Et à l'intérieur de la Bourse du travail, vous trouviez toutes ces institutions qui travaillaient au deuxième objectif, c'est-à-dire la transformation radicale de la société, à commencer par la transformation radicale de l'économie. Okay. Et avec quels moyens ils ont réussi à construire ces bâtiments? Ils se les payaient eux-mêmes. Okay. Hein, avec les centimes, les cents, puis les 30 sous, puis les piastres que mettaient de côté les ouvriers, ils se réunissaient et ils se construisaient cette chose-là. Ils mettaient dedans une université populaire, ils mettaient dedans un musée du travail, ils mettaient dedans des cours, ils mettaient dedans des salles de rencontres et de conférences, ils mettaient dedans des centres d'entraide, ils mettaient dedans des endroits où on pouvait aller chercher des vêtements, des endroits où on pouvait avoir de l'aide quand on était au chômage, et ainsi de suite. Vous voyez? Donc, ils préparaient déjà la société de demain. Vos idées d'anarcho-syndicalistes, ils vont vers quoi? Sur quoi on peut se baser dans l'histoire, dans notre époque? Dans l'histoire, la première chose, c'est de dire jusqu'à la Première Guerre mondiale, qui va venir rompre avec ça de manière assez forte, jusqu'à la Première Guerre mondiale, les bourses du travail et l'anarcho-syndicalisme, dans de très nombreux pays, c'est une force extrêmement importante. Hein? Ce n'est pas quelque chose de marginal, c'est quelque chose qui était extrêmement important, qui réunissait des millions de personnes. Donc, c'était une force très, très grande, très, très importante. La Première Guerre mondiale met un terme à ça, et la montée du communisme, et puis la victoire en URSS, va mettre un terme à cette tentative-là. Peut-être pas un terme final, mais en tout cas, considérablement la résorber. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait faire si on avait les mêmes objectifs? C'est très minoritaire, la position que je défends. Je suis bien conscient de ça. On n'est pas très, très nombreux à avoir ce genre d'idéal-là. Mais je pense que les syndicats devraient être un premier lieu dans lequel ces choses-là se feraient. Alors moi, au Québec, ça fait des années que je déplore que les syndicats ne soient pas plus audacieux dans l'ouverture de certaines perspectives. Alors, pourquoi est-ce que quand une usine menace de fermer ou d'être délocalisée ou que sais-je encore, alors qu'on considère qu'elle peut être rentable et qu'elle le serait rentable, pourquoi ne pas procéder autrement que par simple investissement financier comme le ferait n'importe quel capitaliste? Pourquoi les syndicats pousseraient pas des tentatives d'autogestion? Pourquoi est-ce qu'ils inviteraient pas des ouvriers à reprendre l'entreprise? Pourquoi est-ce qu'ils inventeraient pas des modèles d'autogestion en invitant les ouvriers, les ouvrières à tenter le coup sur l'entreprise qui leur serait léguée? Ça s'est vu à l'époque, ça? Ça s'est vu un peu. Il y a des endroits où ça s'est fait. Tricofil en est un exemple. Il y en a quelques autres qu'on pourrait citer dans le monde. Mais il existe au Pays Basque, il y a une entreprise qui fonctionnait comme ça, ou fonctionne encore un peu comme ça, Mondragon. Donc, il y a un certain nombre d'exemples dans le monde d'endroits où on tente ce genre de choses-là. Je trouve qu'au Québec, on n'a pas été très, très audacieux depuis au moins 40 ans sur ce genre de choses-là. On devrait tenter des choses comme celle-là. Je pense que les syndicats seraient un lieu privilégié pour le faire. Et je soupçonne que parfois, on ne le fait pas pour toutes sortes de raisons, mais une d'entre elles est peut-être parce qu'on a oublié cette histoire-là. Alors, l'histoire de l'anarcho-syndicaliste, l'histoire des tentatives d'autogestion a été passablement oubliée aujourd'hui, malheureusement. Les conflits entre les anarchistes et les communistes, pour en rester à ceux-là, sont connus, sont documentés. Parmi les premiers et les plus sévères critiques du communisme en URSS, et même du communisme avant que ce soit réalisé en URSS, il y a les anarchistes. Je vais citer Bakounine, un des anarchistes les plus connus. Lui n'a pas connu la révolution de 17 en URSS, mais avant même que ça se produise, Bakounine prédisait qu'en URSS, si on prenait le plus révolutionnaire des révolutionnaires et on le mettait sur le trône des tsars, ça serait pas long qu'on créerait une bureaucratie rouge et que ce révolutionnaire-là deviendrait aussi terrible que le plus terrible des tsars. Je paraphrase, mais c'est à peu près ça qu'il disait. Et je pense que les anarchistes ont eu tout à fait raison, mais très tôt, dès 1920, de faire une critique extrêmement sévère du communisme. Et je pense que c'est vrai qu'il y a eu ensuite un combat assez terrible entre les communistes et les anarchistes historiquement, les premiers essayant d'empêcher les autres d'exister ou de parler. Ce combat-là a été gagné par les communistes. Je pense qu'ils ont été en partie portés par les victoires qu'ils ont gagnées historiquement, en URSS d'abord, ensuite après la Deuxième Guerre mondiale, dont ils sont sortis victorieux. Ils ont contribué massivement à la victoire des Alliés. Ce serait long de remonter toute l'histoire, mais il est clair qu'à partir de ce moment-là, les anarchistes ont été plus ou moins totalement exclu de l'espace public, et c'est la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Je suis un grand admirateur d'un monsieur qui s'appelle Rudolf Rocker. Et puis, j'aime tellement Rocker que j'ai
traduit moi-même et édité son livre qui s'appelle « Pratique et théorie de l'anarcho-syndicalisme mm-hmm. » avec une préface de Chomsky. Okay. Et c'est une bonne lecture, je pense, pour comprendre ça, comprendre ces idées-là. Je pense que c'est assez intéressant. Et on voit aussi, si vous me permettez, et là, on revient à l'éducation, mais comment, chez ces gens-là, chez Rocker, par exemple, nommément, je ne pourrais pas citer mot à mot, mais l'esprit est là, comment, par exemple, la volonté de s'émanciper du travail, si on peut le dire comme ça, de ce qui est le plus horrible dans le travail, la libération obtenue par l'autogestion, vise à créer une société plus libre où les gens peuvent se consacrer à la culture, au savoir, à l'éducation. Que ça doit être accessible à tout le monde. Ça doit, et donc, on voit dans une bourse du travail, Rocker, qui en fonde une en Angleterre, à Londres, on voit comment un souci qu'ils ont, c'est de donner des cours de littérature aux ouvriers qui en redemandent, qui veulent aussi goûter à Zola. J'ai eu la chance, à un moment donné, d'interviewer Pierre Falardeau, de faire un portrait de lui. Et Falardeau avait une jolie formule. Il m'expliquait à cette époque-là, il sortait le film Octobre, ou peu de temps auparavant, c'était sorti, son film Octobre. Il m'avait dit, sur l'affiche d'Octobre, j'ai fait, il y a un gun, il y a un bon, etc. Là, mais il y a aussi une phrase de René Char. Et il me disait, j'ai fait mettre cela parce que je trouve que les petits, je vais le citer textuellement, là, les petits culs de l'ex de la ville, ils ont droit à ça, eux autres aussi, René Char. Et c'est un peu cette idée qu'avaient les anarcho-syndicalistes. Les ouvriers, ils ont droit à ça, Balzac aussi, ils ont droit à ça, Émile Zola. Ils ont droit à ça aussi, Gaston Miron, Gilbert Langevin, etc. Et je pense cet idéal-là, anarcho-syndicaliste, là, d'ouverture vers la culture pour tous, c'est une chose qui me touche beaucoup et à laquelle je suis très sensible. Mais il y a des moments constamment où l'anarchiste revient. Une idée de Chomsky, je vais rappeler ça en deux secondes, là, mais c'est, l'anarchiste, ça correspond à cette espèce d'instinct de liberté qu'ont les êtres humains. Cette passion qu'ont les êtres humains pour la liberté, ou aussi cette volonté de questionner les formes d'autorité. Si on découvre une forme d'autorité, on veut se demander si elle est justifiée ou non. Si elle n'est pas justifiée, notre instinct de liberté nous pousse à vouloir la contester puis l'abolir si on est capable, etc. Cet instinct de liberté, dans la mesure où on accorde ça existe, je pense qu'il y a des bonnes raisons de penser que ça existe. Si ça existe, cet instinct de liberté-là, ben, l'anarchisme revient constamment sous différentes formes dans l'histoire. On retrouve toujours des éléments d'anarchisme qui sont présents. Pour certaines personnes, mai 68, ça représentait ça en France, ce retour de l'anarchie. La mondialisation de l'économie, les extraordinaires inégalités que ça a engendrées depuis une trentaine d'années, ont vu renaître des mouvements anarchistes ou s'inspirant de l'anarchisme, les tentatives d'autogestion. Donc j'ai probablement parlé de ça, puis rappelé pourquoi j'étais encore attaché à ces idées-là, qui me semblent toujours belles, nobles et justes. Vous, qui êtes un libre-penseur, quelle définition vous accordez? Je devrais peut-être commencer par dire, c'est prétentieux de dire « je suis un libre-penseur ». On s'efforce de le devenir. On essaie d'être des libres-penseurs. Tout le monde fait de son mieux pour essayer d'être un libre-penseur. Mais je pense que c'est vrai qu'en ce moment, mais comme à tout moment de l'histoire, mais peut-être aujourd'hui, à cause des moyens technologiques qui sont déployés pour ça, c'est encore plus difficile. On essaie d'échapper aux filets, puis aux raies, puis aux limitations qu'on essaie d'imposer à la pensée de tout bord, de tout côté. Là, chacun essaie ou s'efforce au mieux de penser librement, c'est-à-dire de penser par soi-même. Mais je devrais dire aussi que libre-penseur, ce n'est pas une chose qu'on fait seul. Alors, par exemple, moi, j'ai jamais pensé que je pensais librement seul. Je pense librement d'abord en parlant à d'autres gens. Je pense librement en lisant à plein de gens. Je pense librement parce que j'ai appris des choses de telle ou telle personne. J'ai des fois appris des choses de gens qui ont vécu longtemps avant moi. Encore une fois, on revient à la culture générale. J'ai appris des choses que Prévert m'a appris, qui est un poète qui est mort il y a 40 ans. Lui m'a appris plein de choses. J'ai appris des choses chez Aristote qui m'apparaissent encore fichuement importantes. Donc, on pense toujours à l'aide des autres. On est toujours les enfants de gens qui sont venus avant nous. On est les enfants contemporains aussi, de gens qui moi, m'ont marqué et qui me semblent importants. Vous connaissez probablement de Chomsky, qui est quelqu'un qui était important pour moi, Bertrand Russell, qui est un penseur extrêmement important pour moi, Voltairine de Clare, une penseuse extrêmement importante pour moi. Donc, on pense avec d'autres. Penser, la libre pensée, ce n'est pas une activité qui se fait seule. C'est Newton qui a employé la formule, je la trouve jolie. Newton disait, si j'ai vu si loin, c'est parce que je me suis tenu sur les épaules de géants qui sont venus avant moi. C'est une très jolie formule. Mais quand on pense jamais seul. C'est une erreur de penser seul. Penser seul, c'est probablement penser mal. Alors, on pense avec d'autres. On pense avec d'autres qui sont venus avant nous dans le temps. On pense avec nos contemporains. On pense, moi j'aime bien l'expression de conversation démocratique. On pense en échangeant avec les autres, en confrontant nos points de vue. D'où l'importance aussi que j'accorde à la liberté d'expression pour le libre-échange des idées.
C'est un travail d'histoire, c'est un travail d'équipe, on fait ça. C'est un travail jamais achevé. Ouais. Moi, il y a une formule, il y a un philosophe des sciences qui s'appelle Bachelard que j'aime beaucoup. C'est, puis souvent en philo, on pose la question, permettez un petit détour sur la philo, le rationaliste, être rationaliste, s'en fier à la raison, insister sur l'importance de la raison. Bachelard, il y a une très belle formule, il dit rationaliste, nous nous efforçons de le devenir. On n'est jamais tout à fait, on est en marche vers le rationalisme, on s'efforce d'être rationaliste. Libre-penseur, ce serait un peu la même chose, on s'efforce de le devenir, on travaille pour l'être. Et on sait toujours qu'on peut retomber, hein, tout le monde, moi le premier, là, on peut retomber dans les pièges d'une idée fausse, on peut retomber dans les pièges de la propagande, on peut, il faut toujours être vigilant. Comment vous les trouvez, les jeunes? Moi j'ai fait le pari, j'espère ne pas me tromper, là, mais qu'on n'a pas fini de voir les retombées de ça. C'est-à-dire que ça a été un beau mouvement en 2012, c'était un très beau mouvement. Il y a énormément de gens qui sont impliqués. C'était probablement la première fois qu'ils s'impliquaient. Mm-hmm. Et je pense que ça va avoir laissé des traces pour très, très longtemps. Mm-hmm. Alors, j'étais content que ce mouvement-là se produise. Je pense que c'était une cause noble, une cause importante. Est-ce qu'elle était parfaite? Non, sans doute pas. Il n'y a aucun mouvement qui est parfait. Puis est-ce qu'elle a gagné tout? Sans doute non aussi. Elle a gagné des choses. Elle n'a pas tout gagné. J'espère que les gens, les militants, les jeunes militants, sortiront pas de là. Il n'y aurait aucune raison de le faire avec un certain pessimisme quant à la valeur de l'action. Parce qu'ils ont agi et ils ont gagné un grand nombre de choses. Mais on ne gagne pas tout d'un coup. Par définition, si on veut le changement social, on est réformiste. Et je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ce mot-là, mais c'est un fait. On ne change pas les choses d'un coup, on les change petit à petit. Mm-hmm. Et là, on a gagné des choses. Donc ça m'a beaucoup encouragé de les voir se mobiliser comme ça. Et je fais le pari qu'on n'a pas fini d'en voir les bienfaits. Moi, là, j'ai toujours eu tendance à voir la question comme ceci. On se fait une certaine idée de l'état du monde. On a un certain nombre de valeurs auxquelles, le plus consciemment possible, on a adhéré. Mm-hmm. Et là, il me semble que chacun de nous devrait avoir en tête une liste, partant de ces deux énoncés-là, là, une liste des choses qu'on trouve les plus importantes à faire. Okay? Mm-hmm. Voilà les choses qui me semblent les plus importantes à faire. Et ensuite, choisir le plus haut possible dans la liste les choses pour lesquelles on a du talent puis on a du goût. Je tiens à souligner ces deux aspects-là parce que pour moi, c'est pas suffisant de choisir les choses dans lesquelles on est bon si on déteste faire ces choses-là. Moi, j'ai trop vu de jeunes militants s'engager avec enthousiasme dans des formes de militantisme pour lesquelles ils ont peu de goût ou pas de goût du tout, et finalement arrêter de militer au bout d'un an ou deux parce que ces choses-là leur déplaisent souverainement. Vous faites quoi depuis que vous avez quitté? J'écris et moi je continue à écrire. C'est, ma vie, c'est d'écrire. En ce moment, je travaille sur plusieurs livres. Je travaille toujours sur plusieurs livres à la fois, ce qui est en même temps, ce qui permet de se reposer d'un livre avec un autre, si je peux dire comme ça. Je fais des chroniques. Moi, j'ai toujours fait des chroniques. Je continue à en faire. En ce moment, j'écris dans Québec Science, une chronique sur les sciences qui me plaît beaucoup parce que ça me fait revenir à des premières amours. J'écris dans Le Voir à chaque mois. Je vais commencer une chronique aux Années-Lumière à Radio-Canada, une chronique sur la science également. J'écris dans les libraires. Donc, puis à gauche, à droite, j'ai des demandes à gauche, à droite continuellement là, de textes. Mm-hmm. Alors, je produis des textes plus courts. Ça, j'aime beaucoup faire ça. Puis je fais des livres. Voilà. Okay. Puis un article ou deux qui m'est commandé. OK. Donc, on peut dire que c'est assez similaire à une retraite, qu'est-ce que vous faites en ce moment? Je continue à faire exactement ce que je faisais, sauf que j'enseigne pas. C'est la seule différence, oui. Donc, vous avez rien mis en veilleuse? Non, j'ai rien arrêté. J'aimerais qu'il y ait de plus en plus de gens qui militent. On vit une période historique probablement charnière ou troublante. Il y a plusieurs raisons d'être extrêmement inquiet pour l'avenir de la planète. T'sais, le réchauffement climatique anthropique, je ne l'invente pas, mais c'est la quasi-unanimité des scientifiques compétents pour se prononcer sur le sujet. Mm-hmm. Nous disent l'heure est grave, puis on approche d'un moment où ce sera irrémédiable ou tellement grave que notre capacité d'action va être limitée, la première chose. La deuxième que beaucoup de gens soulignent aussi, c'est la menace nucléaire. C'est presque un miracle qu'on n'ait pas eu un accident nucléaire majeur ou d'autres accidents nucléaires majeurs. Ça, c'est une chose extrêmement grave. Il y en a une troisième aussi qui m'apparaît, moi, troublante et extrêmement grave. C'est, malgré toute la richesse environnante dans laquelle nous nous trouvons, nous, en ce moment, c'est les extraordinaires inégalités qui se construisent dans le monde, à l'intérieur de notre société, à l'échelle de la planète. Alors, des enjeux comme ceux des réfugiés qu'on voit apparaître au Québec, des gens qui arrivent à nos frontières, on n'a pas fini de voir ça. C'est le fruit, en partie,
des inégalités qu'on voit croissantes, des conflits internationaux qui se multiplient, mm-hmm. Des inégalités aussi qui sont croissantes, et du réchauffement climatique, c'est le troisième point que je voulais faire. C'est le début, en fait. C'est le début, on n'a pas fini d'y voir clair. Alors, je pense que ça serait important que les gens s'impliquent, qu'ils trouvent eux-mêmes, comme je le disais tout à l'heure, les faits sur lesquels ils s'entendent mm-hmm. avec d'autres, ou mm-hmm. Dont ils conviennent, les valeurs auxquelles ils adhèrent, puis l'action la plus élevée parmi celles qu'ils jugent indispensables ou souhaitables mm-hmm. et qui se mettent à le faire. Je souhaiterais que le plus de gens possible s'impliquent dans toute forme d'action politique visant mm-hmm. à diminuer l'effet des graves dangers qui nous menacent. Êtes-vous optimiste face à l'avenir? Je ne peux pas m'empêcher de le raconter, mais la première fois toute que j'ai interviewé Chomsky, j'avais fini en lui posant cette question-là, moi aussi. Puis il m'avait répondu quelque chose du genre, c'est une question de personnalité pas très intéressante, optimiste ou pessimiste. Mm-hmm. Ce qu'on sait, c'est que si on ne fait rien, le pire va survenir. Si on agit, on peut peut-être l'empêcher d'arriver. Mm-hmm. C'est assez une bonne réponse, je trouve. Mais moi, personnellement, j'avoue que je suis plutôt optimiste. Par tempérament, mais aussi par conviction, je pense, rationnelle. Je crois que les êtres humains sont capables de surmonter ce genre de difficultés-là. Je pense que si on s'unit puis on combat tous ensemble, si on se sert de nos connaissances nombreuses, variées puis riches, en particulier nos connaissances scientifiques, je pense qu'on est encore capable de faire face aux défis qui nous attendent. Et donc, de ce point de vue-là, j'aurais plutôt tendance à être optimiste, surtout si le message passe et de plus en plus de gens se mobilisent et se mettent à lutter les uns avec les autres. J'ai été suffisamment optimiste pour faire des enfants.